Salut tout le monde, c'est Ben, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FUT15, l'appli web. Ça va être le lancement de la série d'achat-revente de cette année, Retour Ronaldo. Donc c'est un gros défi qu'on va se lancer, essayer de faire de l'achat-revente jusqu'à Ronaldo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, n'hésite pas à t'abonner si tu vois cette vidéo. Je vais vous montrer quelques techniques, avancer avec vous dans l'achat-revente pour pouvoir vous faire des crédits. Moi, mon but, ce sera d'acheter Ronaldo. Bien sûr, je vais faire tout ça avec vous en vidéo. J'essaierai d'upload des vidéos toutes les semaines, une voire deux vidéos par semaine. Mais la deuxième vidéo, c'est vraiment pas sûr. C'est pour l'instant pas du tout sûr, mais une vidéo, normalement, c'est sûr. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu vois cette vidéo pour pouvoir suivre les épisodes de Retour Ronaldo et te faire la masse de crédits. J'ai déjà un peu commencé. Là, vous allez voir qu'on va tout de suite arriver sur l'appli web. Elle a été disponible un petit peu avant, donc j'ai pu tourner ces gameplays un petit peu avant. On a deux packs à ouvrir, donc on va tout de suite aller les ouvrir. Mais bon, c'est les packs de démarrage, donc on s'attend pas non plus à quelque chose d'incroyable. Mais ça va pouvoir nous faire quelques crédits en ce début de jeu. On ouvre le premier pack et on tombe sur un joueur bronze parce que c'était un pack bronze. On va quand même essayer de tout revendre à part les maillots. Je sais que ça se revendra pas, les mecs. Donc j'essaie quand même de lister ce joueur là à 150 de prix de départ. On verra bien si ça part et le reste je le vends rapidement. Ça nous fait déjà quelques crédits même si c'est rien du tout. Vous allez voir que ça va monter quand même assez vite les crédits. On ouvre le pack tout joueur. On s'attend pas non plus à quelque chose d'incroyable, mais on a quand même eu un joueur or, donc pour pas pouvoir le revendre, on est sûr d'avoir au moins 650 crédits, donc ça c'est déjà pas mal. On va tout mettre de toute façon sur la liste des transferts, à part les joueurs bronze et argent, parce que je pense pas que ça se revendra, et voilà, ça va me faire perdre plus de temps qu'autre chose. Je préfère passer à l'achat-revente tout de suite. Il y aura de l'achat-revente dès le prochain épisode, tu verras ça va être assez sympa. On va essayer de faire pas mal de crédits, je vais vous montrer comment des petites techniques, même si c'est pas mes techniques, comme ça vous pourrez les apprendre vous aussi. Encore un bug de l'application web, les mecs, j'ai eu que ça pendant hyper longtemps. Du coup, on relance l'appli web. On va essayer de faire ça rapidement. Voilà, donc on est de retour sur l'appli web. On va aller tout de suite dans les éléments non assignés pour pouvoir lister les derniers joueurs qu'on avait à lister. Et vous allez voir que tout ne va pas partir. On se retrouve dans les éléments non assignés, donc on a tous nos joueurs qu'on avait eu de base. Je vends tout rapidement et on va essayer de relister tout ce qui n'est pas parti. Malheureusement, il n'y a pas grand chose qui est parti, donc au bout d'un moment, j'ai dû tout vendre en vente rapide. Ça va nous faire quand même une bonne base de crédit pour commencer. C'est 2000-2500 crédits, c'est vraiment pas mal. Je vous retrouve dès la semaine prochaine, voire le début de semaine, pour le premier épisode. Donc lâchez tous un like si vous voulez le plus rapidement possible cet épisode. J'ai déjà un peu commencé l'air, ça marche vraiment pas mal. Donc laissez un like, un petit commentaire, abonne-toi si t'es nouveau. Moi je te dis à la prochaine, c'était Ben. Ciao les gars.